possible. Et je sais de quoi je parle, j'en respire tellement. Il faudrait essayer de prendre l'être humain par les sentiments. Il devrait se rendre compte. Un petit grain de poussière. C'est de terre et un courant d'air, c'est tout, ça suffit pour donner la vie sans beaucoup de peine à une petite graine. Imaginez qu'il n'y ait plus aucune terre sur notre planète. De l'eau à perte de vie. Qu'un petit grain de poussière. Nous savons très bien que pour qu'il y ait de la vie, il faut qu'on s'unisse tous les trois, sans oublier la lumière. Tu vois, faut pas grand chose pour que la vie s'impose et que partout elle explose. Un monde disparu. Ah. Allez, Diggy, viens le chien. Oui, mets ton masque à air aussi, Diggy. Le moins rassurant, c'est qu'ils entendent au loin un grondement sourd. Il y a le chien. Le chien Panachi. Comme chaque enfant, Tounia a un rêve qui lui fait porter son regard vers le lointain. Elle voudrait faire reculer le désert pour qu'il n'engloutisse pas sa maison. Et bien qu'elle soit encore une enfant, sa curiosité et ses questions avant tout que la forêt repousse. D'ailleurs, j'avais pensé faire un panneau. Il y aurait écrit « Prière de laisser la planète dans l'état où vous l'avez trouvée en arrivant. » Même si chacun de nos gestes pour aider la planète, mais qu'une goutte dans la mer, rien de sable éphémère. Même si ils n'en ont pas l'air, ils sont tous nécessaires. Bon, ce n'est plus un mystère. Il faut sauver la terre. On est dans la même galère. Levons les bras en l'air. Il n'est plus temps de se taire. Ne soyons plus terre à terre. Faudrait peut-être faire quelque chose. Parce que au rythme où ça va, moi, je n'aurai bientôt plus rien à leur donner. Notre affaire, on sait bien ce qu'il faut faire. Oui, c'est même élémentaire. Il faut sauver la terre. On pourrait imaginer un monde où tu ne serais plus là. Ou en tout cas, les hommes ne pourraient plus te respirer tellement tu sentirais mauvais. Je sens la terre. Terre, je vis la terre. Apparaissent quelques villages, enfin ça commence à bouger.